Ouais, Tripa. Ouais, t'es chaud, on joue. Vas-y. Wesh, il a quoi ton micro? Non, je l'ai changé parce que lui il est meilleur. Parce que j'entendais des deux côtés. Ils ont dit t'as le niveau à Michou ou Tariq. Oh le rat. Michou croûte. Fais gaffe, oh, je t'ai pas d'oreille ou quoi? Ah, je suis avec son du cul. Je te dis, j'enlève mon casque. Oreilles, mais... mais non, mais allez, allez, moi je vous insulte, vos merlis. Les oreilles, mais. Allez, mais non, on lance pas. Nous voyons. Il voit Michou. Nouveau cas. J'en peux plus. La vérité, c'est une dinguerie. Il y avait rien, il y a tout qui m'a fait rire là. Notre qui dit le niveau à Michou. Il entend pas le mec. Mais juste avant, il a mais juste avant, il a fait nouveau casque. Elle était à rapport Tariq. La prof, elle t'a rendu ton burger ou pas? Ben non. Votre prof vous a acheté des hamburgers? Ouais. T'as plus, on va te mêler ici là. Oh la vie, la chance, oui. On donne des mots, des deux heures d'école, vous vont donner des hamburgers. Non. Bah ouais. Ça a l'air plastique en piscine. Oui, ben, la prof d'art plastique elle est grave gentille. Elle vous donne des hamburgers, ma gueule. Mais tu vois, c'est ça son problème à lui. Ah, un croquis. Hamburger. J'ai bien senti. Chat, trop la rage. Merci à toi. Attention. Non, 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 oh, la vie, non, non. Mais les mecs, c'est pas bien. Là. Eh les mecs, je calme mon insert pour le best of. Eh, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laissez vous abonner. Ajoutez-moi sur Snap, Abdi, non. Eh, juste. Ouais, carrément. Un fourré. Trop, non, c'est trop. Ouais, mec, il me prend la bouche pour le casque. Elle au niveau à Michou, il est bug. Eh, j'ai trop rigolé, moi. Ennemi tué. Toi, lui, je l'entends parce que moi, j'ai un casque, contrairement à Abdi. Mais Abdi il joue sans casque. Il joue avec un casque ou pas? Ouais, mais il a qu'une oreille qui marche. Il a dit quoi? Il a dit ouais, j'ai un vrai casque moi. Nouveau casque machin. Au final, il a un peu entendu le mec. Oh là là. On est avec un vieux. Et genre, c'était grave un bon. Genre, je me suis dit, vas-y, au calme, c'est un bon et tout. Il me parlait gentiment. Il me parlait justement de manière drôle et tout. Je me suis dit, au calme, lui c'est un bon, on peut rigoler avec lui. Du coup, vous voyez les trucs à charrette là. Les trucs dans les magasins pour soulever des grosses charges. Du coup, c'était en mouvement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis monté dessus pour rigoler. Je pensais que c'était un bon. Pour rigoler. Et ce bouffon, genre je suis monté dessus pour rigoler, tu vois, ça a duré 2 secondes. Et c'est, ils se sont énervés tout ça. Il a dit vas-y on va aller voir les caméras, tu vas voir je sais pas quoi. Je me suis dit wesh qu'est-ce qu'il me raconte. Maintenant, ils vont voir les caméras et ils me disent allez t'es viré. Bon moi je comprends pas, je pars tout ça. Mais le lendemain ils me disent quoi? Ils me disent eh ouais tu sais pourquoi ils t'ont viré? Ils t'ont viré parce qu'en gros ils croyaient que tu voulais le frapper avec un pack d'eau. Hein? Quoi? Mais par contre, mais moi je savais pas ça. Il a cru, tu vois, que je suis venu derrière lui et j'ai couru pour le frapper avec un pack d'eau, gros. Genre en mode l'assommer. Mais ils sont malades, oui. Comment ça frapper avec un pack d'eau? Mais oui, mais en plus, tu vas assommer quelqu'un. Limite, tu prends une bouteille oui, d'alcool ou un bail comme ça. Mais pas un pack d'eau. Mais le pire dans l'histoire, c'est pas ça. Le pire, c'est que j'avais pas de pack d'eau dans les mains. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils ont dit un pack d'eau? Même moi, je comprends pas. Rafox, je vais mettre fin à ma vie. Wesh, attends, mais je suis psychologue streamer. Lucas, c'est bon, tu trolls. Tu vas pas me la mettre à l'envers. Il a dit, je veux mettre fin à ma vie. Tu sais, quand je t'ai dit que t'as des viewers, ils sont malades. Mais oui. Lucas, il a quel âge? Lucas, il a 12 ans. Ouais, 12 ans. Hein, gros, c'est pas pour faire l'ancien. Mais gros, je te jure, quand j'avais 12 ans. Eh, je jouais à Fortnite, j'étais tout content, je m'en foutais du reste. Ouais, je pense au suicide lui. Justement, quand j'avais vers les 12 ans, il y en avait une, elle voulait que je la accompagne chez elle et tout. Et moi, genre, tu sais, je lui ai dit quoi? Oh
Oh, c'était beau. Je lui ai dit, non, j'ai pas le temps, je dois jouer à Fortnite. Et je voulais. J'ai pas le temps, je dois jouer à Fortnite. Il y a quelqu'un qui est venu pour me dire. Mélissane, elle est venue me dire. Ouais, j'ai fait une crise d'angoisse parce que machin. Mon père, il est mort il y a 2 ans. Après, une meuf, elle est venue me dire. Mon chien il est mort il y a 5 ans. Je t'aime, t'es beau, je sais pas quoi. L'autre il était venu, il disait ouais, on a fait des trucs pas très catholiques avec la femme de ménage. Le Viagra c'est pour les débutants. Mon daron m'a enfermé dehors, je hurle. Quoi? Non, mais wesh. Ça va devenir un délire. Mais oui, vraiment, délire psychologue. On met 101 abonnés, on met 101 abonnés. Ouais. On a passé les 100. Tahia Jazayer. En vrai je me dis, est-ce que faudrait que je trouve en mode je recrute. Ouais, je recrute. Est-ce qu'il faudrait que je recrute deux fois? Ouais, là, j'ai pas fait exprès en plus. Oh là là, frère, c'est aberrant. Cette prof de techno, il dit ça. Il dit t'as un petit malien, toi. Non. Vous savez dire t'es un petit malin. Il fait t'es un petit malien, toi. Bien sûr, il fait exprès. Mais dis-toi, il a appelé Fatou. Wesh. Il a dit calme-toi, Fatou. Gire. Ouais. Il a vraiment dit. En plus, à un moment, il a fait une faute sur le au tableau. Et après, il a fait. Après, il a fait de toute façon, je suis pas français. Il a fait de toute façon, je suis pas français. Il pourrait dire Abdourahmane, il a dit Mamadou. C'est comme ça, Mamadou. Attends, Jiri l'a appelé Mamadou. Un grand Renoir, il l'a appelé Mamadou. Ah bah, il est comme ça. Jiri, la belle tête, elle s'appelait Mamadou. Mais oui. Le pire, c'est que c'est vrai. Comment ça, Mamadou? Il l'appelle Fatou. Eh, vas-y, c'est une dinguerie. Comment ça? Je m'auto-répare. Ça me fait trop rire. Une Renoir, il l'a appelé Mamadou. Non, il l'a appelé Fatou. Putain, monsieur Poli, il appelle Moi, il m'appelle Moustapha, frère. Tout le temps il me confond avec Mustapha. Grenade, grenade. Je vous appelle par rapport à votre annonce Le Bon Coin. C'est par quoi rapport ça au réducteur WC. Oui. J'aurais 2-3 petites questions. Là je vais vous parler un peu cru, un peu. Parce que vous vendez 2 euros. Je voulais savoir s'il avait beaucoup été utilisé. Hein. Je vais parler cru. Qui a chié dessus? Attends. Oui. Il a fait qui a chié dessus? Il a pris quelques splats de derm ou... Non, quelques... À chaque coup de derm, vous avez passé la... Non, c'était nettoyé... C'est nickel, parce que c'est vrai que... Bon, ça aurait pas été agréable si je venais chercher qu'il y avait 2-3 traces de fiente. Ça aurait pas été le top. Quand même pas vendre de la fiente. Ok, bah très bien monsieur, merci pour vos réponses. Oui. Au revoir, bonne fin de journée. Des traces de sperm, des splashes du wesh. Ah, ils sont là. Les frères, si vous aimez, montrez-le moi. En fait, même s'il parlait tout seul, c'était trop drôle. Je m'en fous de la réaction, c'est juste comme il l'a dit. Plusieurs, son personnage, il est trop drôle. Thank you.